Depuis plus de 700 ans, les Templiers ont fait naître de nombreux mythes et des légendes fantastiques. Auraient-ils pu découvrir, durant leur mission à Jérusalem, la mythique Arche d'Alliance, un fabuleux trésor ou un incroyable secret sur la vie de Jésus? À travers cette enquête, vous allez découvrir la véritable histoire des Templiers. Mais nous suivrons également les pistes qui nous mèneront vers d'incroyables découvertes. Une aventure bien réelle, digne du Da Vinci Code, rempli d'énigmes étranges, de tableaux codés et de constructions étonnantes. Les Templiers ont existé. C'est de l'histoire. Les mythes, les gens ont leur intérêt, surtout lorsqu'elles sont à décrypter. Il y a 10 lettres, 8 et 2. Pourquoi ça? Pourquoi ce choix et cette manière? Qui possède le trésor? Qui détient les secrets? Il dit qu'il a découvert une chapelle souterraine en dessous du donjon de Gisors. On part des Templiers jusqu'aux francs-maçons, c'est une sorte de théorie sur une conspiration qui expliquerait comment le trésor est arrivé sur Oak Island. La Terre Sainte, il y a plus de 900 ans. À cette époque de croisade, de très nombreux pèlerins se retrouvaient sur les chemins de Jérusalem. Mais en ces temps de guerre religieuse, les routes n'étaient pas sûres, et nombreux sont ceux qui perdaient la vie attaqués par des brigands de tous bords. Pour l'historien des religions Frédéric Lenoir, c'est cette insécurité qui allait marquer le début de l'aventure des Templiers. Il était impossible de sécuriser la route de Jérusalem, que ce soit par voie de terre ou par voie de mer. Et l'idée est venue à quelques jeunes, finalement, qui n'avaient aucune formation particulière, qui n'étaient ni des clercs ni des militaires de métier, de créer une milice qui allait sécuriser la route pour les pèlerins. Le but primitif, c'était donc de sauvegarder les chemins de pèlerinage. Ensuite, ça a été de surveiller les points de passage essentiels des itinérants, des commerçants, mais de simples chrétiens qui s'en allaient sur les routes d'Europe. C'est donc sur cette idée de protection des pèlerins qu'un chevalier originaire de Champagne, Hugues de Pin, allait créer une nouvelle milice, les pauvres chevaliers du Christ. Une petite armée composée d'à peine 10 chevaliers et qui allait très vite rejoindre la Terre Sainte. Lorsqu'ils vont s'installer à Jérusalem, le roi de Jérusalem, pas dans un premier temps, mais assez rapidement, va leur proposer d'être dans un endroit qui est près de son palais et près de ce qui était, au fond, les ruines du temple de Salomon. Et progressivement, leur nom va changer et ça va devenir les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Et de fil en aiguille, on va les appeler les chevaliers du temple, les Templiers. Très vite, grâce au soutien du pape, de Saint-Bernard et de nombreux seigneurs d'Occident, l'ordre des Templiers, le premier ordre militaire et religieux d'Europe, allait acquérir une immense notoriété. En 1139, le pape Innocent II leur octroya de nombreux privilèges. En moins d'une centaine d'années, grâce à la gestion moderne de leurs terres, à la création d'un système bancaire ingénieux et aux nombreux dons qui leur étaient faits, les Templiers devinrent incontournables dans les domaines économiques et militaires. L'ordre du Temple se développa à travers toute l'Europe chrétienne. Mais à la fin du XIIIe siècle, après la perte du royaume de Jérusalem, l'immense pouvoir des Templiers allait finir par réveiller les jalousies et les ambitions du roi de France, Philippe le Bel. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, qui est la plus forte opération de police qu'il n'y ait jamais eu sans doute dans l'histoire à travers tout un pays, c'est que Philippe le Bel a réussi dans le plus grand secret à envoyer des lettres à tous ce qui était à l'époque l'équivalent, on va dire, des commissaires de police des régions de France, en leur disant « vous n'ouvrirez cette lettre qu'à telle date ». Et lorsqu'on les a ouvert cette lettre, c'était la veille du vendredi 13 octobre 1307, il leur ordonnait, le lendemain matin à l'aube, d'arrêter tous les Templiers dans toutes les commanderies templières de France. Donc c'est une opération incroyable. Et le fait qu'elle soit restée secrète, c'était encore quelque chose d'assez étonnant. En tout cas, elle est restée secrète. Et les Templiers ont été arrêtés un vendredi 13, ce qui a frappé la population, parce que c'était des gens très puissants, qui étaient très, très enracinés. Il y en avait des centaines de commanderies en France. Et donc ça a tellement frappé l'imaginaire qu'effectivement, depuis, l'idée du vendredi 13
qui porte malheur est resté enraciné dans les mentalités françaises. Enfermés, isolés et surtout torturés, les Templiers finiront par révéler des crimes surprenants. Ils avouèrent avoir renié le Christ, craché ou marché sur la croix, et même adoré une tête satanique. Ce sont des calomnies. On n'a trouvé aucune trace historique sérieuse qui permet de dire que les Templiers n'étaient pas des chrétiens ou qu'ils étaient une secte qui adorait des idoles. Tout ça est totalement faux. On les a traités d'hérétiques, on les a traités de parjures, on les a traités de tous les noms parce que, pour les besoins de la cause, il fallait vraiment les salir et les condamner, pour les éliminer. Sous la pression, après avoir tenté de les défendre, le pape Clément V accepta finalement de dissoudre l'ordre des Templiers en 1312. Et quelques années plus tard, le roi de France réussit à obtenir la condamnation à mort du dernier maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay. Jacques de Molay, le maître des Templiers, a donc été brûlé en 1314 par Philippe le Bel. Et selon la légende, il aurait sur le bûcher lancé une malédiction à la fois au pape et au roi de France en leur disant « L'année ne se terminera pas sans que vous ayez rendu des comptes au tribunal de Dieu ». Et ce qui est sûr historiquement, c'est que le pape est mort très peu de temps après et que le roi de France est mort 6 mois après. Et qu'il y a eu ensuite une vraie, véritable malédiction sur toute la dynastie de Philippe le Bel qui a continué donc effectivement à subir une sorte de malédiction. Nul ne sait si cette malédiction fut réellement lancée. Mais aujourd'hui encore à Paris, on peut voir le lieu où Jacques de Molay et l'un de ses compagnons furent brûlés vifs. Sur l'île de la Cité, deux monumentales portes en forme de tombeau symbolisent la fin historique de l'ordre du Temple. À partir de cette époque, des rumeurs commencèrent à circuler sur les secrets qu'auraient emportés les Templiers. Certains parlaient de fouilles et de recherches secrètes sous le Temple de Jérusalem. On disait que les Templiers avaient retrouvé l'Arche d'Alliance. Pour d'autres, plus discrets, les Templiers avaient découvert le véritable tombeau du Christ. Mais rien ne prouve que les Templiers aient réellement mené des recherches à Jérusalem. Moi, je n'ai aucune certitude historique sur le fait que les chevaliers de l'ordre du Temple aient fait des fouilles. Par contre, ce n'est pas impossible, parce qu'on peut bien imaginer que ces gens-là étaient des religieux, qui étaient passionnés par la lecture de la Bible, et notamment de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible juive qui raconte l'histoire de la création du Temple de Salomon au lieu même où il vivait. Et ce temple possédait beaucoup de richesses. La Bible nous dit qu'il y avait l'Arche d'Alliance, qu'il y avait des trésors, qu'il y avait, mais surtout des trésors spirituels, d'ailleurs d'une grande valeur. Donc il n'est pas impossible qu'ils se soient intéressés au lieu et qu'ils aient fait des recherches. On n'en a aucune certitude historique. Mais ce n'est pas impossible, c'est une hypothèse que moi je trouve plausible. Les Templiers auraient donc pu faire des recherches à Jérusalem, peut-être pour y retrouver des éléments sur la vie du Christ. Sur place, ils ont probablement découvert que pour les musulmans, Jésus était un simple prophète et qu'un tombeau pouvait exister quelque part. Ils vont connaître la religion musulmane et du coup, ils vont être plus proches des musulmans que bien d'autres chrétiens qui vivent en Europe, qui ne les connaissent que par des a priori, des légendes, des on-dit, des mythes, etc. On sait par exemple que les musulmans à l'époque les appelaient nos amis les Templiers, même s'ils étaient des ennemis quand même, c'est-à-dire quand ils combattaient, on ne se faisait pas de cadeaux, hein. Mais il y avait un respect. Même s'ils se combattaient sur le terrain, ils étaient d'accord entre eux pour des controverses intellectuelles et spirituelles. Les Templiers avaient aménagé leur quartier général à Jérusalem, avaient aménagé dedans donc une petite pièce où les musulmans pouvaient venir prier. Ce qui est quand même assez incroyable, ce n'étaient pas des fanatiques. Ces épisodes historiques ont bien sûr contribué à faire naître les légendes autour des Templiers. L'une des plus connues concernerait un convoi secret qui aurait quitté le Temple de Paris juste avant leur arrestation, le 13 octobre 1307. Un convoi de chevaliers et de chariots qui aurait emporté les archives, les secrets ou le trésor des Templiers. Quand les sbires de Philippe le Bel sont allés explorer le Temple de Paris, ils n'ont rien trouvé. Et pour cause, parce qu'on sait pertinemment maintenant que les Templiers avaient été prévenus quelques jours avant de l'action menée par le roi contre eux. Ils ont planqué certaines choses. C'est vrai qu'il y a des aveux d'un Templier lors du procès qui dit savoir que
le maître de l'ordre en France, Gérard de Villiers, était parti avec Jean de Chalon, Hugues de Chalon plutôt, et puis une quarantaine d'hommes à cheval, et aurait emporté le trésor. Les Templiers auraient donc pu emporter ce qu'ils avaient de plus précieux pour le mettre à l'abri quelque part. Un document tout à fait historique nous précise qu'un convoi serait parti de Paris en direction de l'Ouest, probablement vers l'Angleterre. Sur cette route, à une quarantaine de kilomètres de Paris, on trouve une histoire étonnante qui révélerait une cache importante liée à l'ordre du Temple. Arrêtons-nous à Gisors, en Normandie, où un homme dit avoir découvert il y a 60 ans le trésor des Templiers. Le château de Gisors a réellement été occupé durant quelques années par les Templiers. Ils y furent d'ailleurs enfermés après leur arrestation. Parmi les particularités du château de Gisors, on trouve dans une tour dite des prisonniers des graffitis étonnants. Pour les défenseurs de la thèse du trésor des Templiers, ces graffitis cachent quelques indices. On y trouve par exemple une représentation d'un chariot qui aurait pu transporter le fameux trésor. Plus étonnant encore, on peut y voir des représentations d'Indiens d'Amérique du Nord. Une représentation pour le moins curieuse qu'on ne retrouve dans aucun autre château en Europe. Pour l'historien Aymeric Kurzawinski, ces particularités mériteraient une étude sérieuse. Malheureusement, les graffitis restent encore assez peu exploités par les historiens, tout simplement par la difficulté d'interprétation qui en est faite. Étant donné qu'on ne peut pas les dater, étant donné qu'on ne peut pas les situer précisément, ça ne vous permet pas d'être utilisé, exploitable de manière historique. Encore une curiosité. Sur l'un des graffitis représentant le Christ descendu de la croix, on peut y voir l'inscription « Victor Hugo ». On aurait pu se demander si ce n'était pas quelqu'un qui avait gravé le nom de Victor Hugo. On a la chance de savoir que Victor Hugo a écrit qu'il était bienvenu à Gisors, que le site l'avait particulièrement touché. Et on sait qu'il précise bien qu'il a gravé deux fois son nom et son prénom dans le château fort de Gisors. Pourquoi Victor Hugo se serait-il intéressé au château de Gisors au point d'y laisser des traces encore visibles aujourd'hui ? Pour les défenseurs de la théorie du trésor ou du secret, Victor Hugo savait qu'il y avait quelque chose d'important à Gisors. C'est peut-être ce qu'a pensé Roger Lomois, un homme originaire de la ville et qui viendra s'installer dans le château en 1929, embauché par la mairie pour y être le gardien, mais aussi le jardinier. Cet homme d'un milieu modeste va très vite se passionner pour une légende locale qui parle d'un fabuleux trésor. Jean-Patrick Pourtal étudie depuis plus de 20 ans cette affaire de Gisors. Il va donc travailler ici, il va donc y vivre. Et puis, il connaît ces légendes qui courent dans le pays sur la possibilité du trésor, d'un trésor, et peut-être celui des Templiers. Donc évidemment, ça marque son esprit. Il va se décider, il va chercher. Mettez-vous à sa place. Il a fini sa journée, il ferme le château, et puis il est tout seul, et il creuse. Donc il va faire tout ce qu'il a à faire, tranquillement. Et il va même aller jusqu'à demander une autorisation de fouille à la mairie. Et la mairie veut dire d'une façon verbale, oui, vas-y, fouille. Si tu trouves quelque chose, on verra, on en reparlera à ce moment-là. Il avance, il travaille, l'occupation arrive, les Allemands s'emparent du château, il s'installe, il est très inquiet et malgré tout, il continue à chercher. Donc c'est quand même pour lui, quelque part, une obsession. Il avance et il cherche. Il cherche et puis la guerre se termine, les Allemands s'en vont, il va avancer, il va continuer à travailler, continuer à chercher. Et puis un jour, il va creuser au-dessus de nous, dans le donjon. Il va faire un puits assez délirant et il va arriver à quelque chose. Et ce que Roger Lomois dit avoir découvert, c'est une chapelle souterraine remplie d'un incroyable trésor. Sa description est précise dans les moindres détails. Il y parle d'une chapelle où reposent 19 sarcophages de pierre de 2 mètres de long. Il dit aussi apercevoir dans la nef 30 coffres de métal précieux et tout cela abriterait bien sûr le trésor de l'ordre du Temple. Très rapidement, Roger Lomois va avertir les autorités pour que l'on vienne se rendre compte de son incroyable découverte. Le maire de la ville, accompagné de quelques personnes, arrive sur place et découvre les travaux de Lomois. Forcément, quand les gens vont voir ce qu'il affirme, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient en fait un puits creusé dans la motte, qui n'est pas étayé, qui est construit sur plusieurs paliers. C'est pas très stable, ça menace de s'effondrer. Il y a deux personnes qui essaient d'y descendre, elles remontent très très vite parce qu'elles ont peur d'être enterrées vivantes.
Parmi les personnes qui vont se risquer dans le dangereux puits, il y aurait eu le capitaine des sapeurs-pompiers de la ville. Et son témoignage est pour le moins troublant. Une des choses qu'aurait rapporté le capitaine des pompiers, c'est qu'il aurait lancé une pierre devant lui et qu'il aurait entendu un écho, la pierre tombée sur un écho. Mais jamais le pompier a dit « c'est une salle souterraine ». Il a juste dit « j'ai entendu un écho ». C'est la seule chose qui peut attester qu'en effet, le moine est tombé sur une cavité. Et pourtant, le maire, considérant la dangerosité des fouilles et ne portant aucun crédit au récit de Lemoy, va ordonner que l'on rebouche le puits au plus vite et que l'on sécurise toutes les cavités creusées par le gardien du château. Roger Lemoy sera licencié quelques jours plus tard et mis à la porte du logement de fonction qu'il occupait. Mais pourquoi les autorités de l'époque n'ont-elles pas tenté de vérifier plus sérieusement la découverte de Roger Lemoy ? Même si on se dit qu'il a tout inventé, le simple fait que le capitaine des pompiers qui dit « j'entends un écho » aurait dû mettre la puce à l'oreille et dire bah, « on va au moins essayer d'aller voir ». On va étayer, on va faire des travaux et puis on va aller voir. Puis s'il n'y a rien ou si c'est juste une petite cavité qui n'a rien à voir avec ce que dit avec Lemoy, eh bien on aura compris qu'il était vraiment fou. Et puis finalement, si on trouve quelque chose, ça peut être intéressant, sous un aspect historique, archéologique et autres. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est le blackout. Tout s'arrête, tout se ferme, tout se fige, et l'affaire Gisors va démarrer après ça. Durant des années, Roger Lemoy tentera de reprendre ses fouilles, mais sans succès. C'est finalement au début des années 60 que l'affaire rebondira grâce à l'article d'un journaliste, Gérard de Sède. Ce journaliste sera d'ailleurs l'auteur d'un véritable best-seller, « Les Templiers sont parmi nous ». Et c'est cet ouvrage qui passionnera la France entière sur le mystérieux trésor de Gisors. À tel point que le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, s'emparera du dossier. Il est fort probable que André Malraux ait été intimement persuadé de l'existence de quelque chose à l'intérieur de la motte. Et donc il a commandé aux archéologues de venir fouiller. Les archéologues, dans une première approche, en fait, étaient d'accord, puisqu'il pouvait y avoir quelque chose, c'est toujours possible, hein, bien entendu. Donc, en fait, il y a eu des fouilles de réaliser. Très vite, en fait, les archéologues ont annoncé qu'il n'était pas possible qu'il y ait un espace vide à l'intérieur de la motte. Hein. Et Malraux a continué à insister très lourdement pour continuer les sondages, les fouilles, etc. Comme les archéologues n'avaient pas plus de fonds alloués à cette tâche, eh bien, au bout d'un moment, ils ont refusé d'y retourner. Et là, André Malraux a carrément envoyé l'armée. Durant plus d'un mois, de février à mars 1964, c'est donc un régiment du génie qui s'est occupé des fouilles sous la motte du donjon dans la plus grande discrétion. Et le seul communiqué qui sera livré au public sera court et laconique. Les fouilles sont aujourd'hui achevées. Elles ont donné un résultat négatif. Une réponse qui n'a bien sûr pas convaincu grand monde. Évidemment, les militaires ont agi en militaire. Donc ils ont bloqué un périmètre, ils ont creusé, ils ont évacué la terre. D'où après, bien entendu, la théorie des camions emportant le trésor qui était enfoui à l'intérieur de la motte. Ce qu'on oublie, c'est que si jamais il y avait eu une construction, la construction, on l'aurait retrouvée. Hein. Or, il n'y a rien. Roger Lemoy aurait donc tout inventé. Mais pour quelle raison? Pourquoi risquer de perdre son emploi, sa maison et son honneur en criant à tous ceux qui veulent l'entendre qu'il aurait trouvé le trésor des Templiers si tout cela était faux? Pour comprendre, il faut savoir que derrière Roger Lemoy plane l'ombre d'un personnage énigmatique et d'une société secrète appelée le Prieuré de Sion. Ce personnage, c'est Pierre Plantard. Un homme qui rêvait de notoriété et qui se faisait passer pour le dernier descendant d'une lignée royale, lignée dont l'origine remonterait à une liaison entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du Prieuré de Sion, une association tout à fait officielle créée en 1956 et qui inspirera largement les auteurs de romans à succès. Pierre Plantard aurait croisé la route de Roger Lemoy avant sa découverte. Nous avons pu rencontrer le secrétaire général du Prieuré de Sion, un homme qui a bien connu Pierre Plantard et Roger Lemoy. Pierre Plantard allait régulièrement à Gisors. Il a eu très vite connaissance de Lemoy. Pierre Plantard, à l'époque, avait une expression, il disait « Lemoy, je l'ai dans l'œil ». Et dès que Pierre Plantard était présent, Roger Lemoy se tenait tranquille.
Il est donc possible d'imaginer que Pierre Plantard ait pu manipuler Roger Lhomois en lui faisant croire à une histoire de trésor templier. Mais dans quel but? Pierre Plantard possédait-il des informations concernant un trésor à Gisors? Des informations qu'il aurait pu partager avec Roger Lhomois. Roger Lhomois n'est jamais entré dans cette salle. Il ne l'a jamais trouvée. Par contre, il avait connaissance de cette description précise, voire d'un plan, pour être aussi précis. Et Roger Lhomois, rusé comme il l'était, a adopté la tactique suivante. Il a creusé, bien entendu, et il n'a rien trouvé. Ou du moins pas cette chapelle. Et donc, il a décidé d'en faire le maximum de publicité, sachant que si on trouvait la chapelle, lui étant à l'origine de la découverte, il devait lui en revenir une partie. On ne saura peut-être jamais s'il existe une cage templière à Gisors. Ce qui est sûr, c'est que Roger Lhomois a fini sa vie dans la misère et la solitude, sans jamais dévoiler la vérité sur ses fouilles. Il est donc temps de poursuivre notre quête et de repartir vers l'ouest, comme l'ont peut-être fait les Templiers. S'ils avaient fui Paris en direction de l'ouest, c'était sans doute pour rejoindre l'Angleterre. Là-bas, ils auraient pu rejoindre leurs frères en sachant qu'ils ne seraient probablement pas poursuivis par le roi Édouard II, qui, lui, avait refusé de croire aux accusations dont ils étaient l'objet. Même si l'ordre du Temple a disparu officiellement quelques années plus tard, les chevaliers restaient bien présents sur le sol anglais. Aujourd'hui encore, on retrouve les traces de leur présence un peu partout, et notamment à Londres. C'est d'ailleurs là que l'on retrouve dans le quartier historique de la ville une église particulière, Temple Church. Ce monument religieux a bien été bâti par les Templiers suivant une architecture originale, s'inspirant de leur quartier général à Jérusalem. L'endroit, parsemé de symboles, recèle un véritable trésor. Les sépultures des légendaires, mais tout à fait réels, chevaliers templiers. Si les Templiers étaient bien présents à Londres, beaucoup de chevaliers français n'y sont pas restés longtemps et ont préféré gagner la terre d'Écosse vers le nord. Sur cette route, à nouveau, on trouve un lieu mystérieux, le parc de Shugborough Hall. Ici, au beau milieu de nulle part, en pleine campagne, se dressent des monuments étonnants dont l'un comporte un code mystérieux encore aujourd'hui non résolu. Cet endroit au charme particulier, on ne le doit pas aux Templiers, mais à la famille Hanson, une famille de grande noblesse très influente au XVIIIe et au XIXe siècle et qui est à l'origine de l'aménagement du site et de toutes ses constructions. C'est ce que nous confirme Lionel Van Torp, prêtre et écrivain, spécialiste de cette affaire. La famille Hanson faisait partie depuis très longtemps de la noblesse anglaise. C'était des aristocrates, très proches de la royauté et du gouvernement. Je dirais qu'ils étaient très influents. C'était des gens très importants et qui étaient particulièrement habiles pour influencer l'histoire. La particularité de la famille Hanson, c'est qu'elle doit sa fortune à George Hanson, un navigateur capitaine de la marine royale qui parcourut toutes les mers du monde en participant régulièrement à des batailles navales pour le compte de la couronne d'Angleterre. Il fut remarqué sur les côtes d'Amérique du Nord où il mit en échec plusieurs navires, notamment français. Mais c'est la capture d'un galion espagnol et du trésor phénoménal qu'il contenait qui rendra la famille Hanson particulièrement riche. Malheureusement, George Hanson ne profita pas longtemps de ce magot. Après sa mort, c'est son frère Thomas Hanson qui fut chargé d'embellir les lieux et d'ériger les monuments que l'on peut encore voir aujourd'hui, comme nous le confirme Richard Kemp, le manager principal de Shugborough Hall. Les monuments à Shugborough ont été construits grâce à l'argent du trésor espagnol capturé par l'amiral Hanson. Thomas Hanson, son frère, qui vivait ici sur le domaine, souhaitait utiliser cet argent pour donner à Shugborough une envergure nationale. En fait, il voulait créer le domaine britannique le plus impressionnant de son époque. Donc, Thomas a engagé les plus grands architectes, les plus grands artistes pour recouvrir le parc de monuments superbes, modernes, très différents et vraiment uniques pour l'époque. Les monuments disposés sur l'ensemble du domaine sont au nombre de 8 et symbolisent les voyages du navigateur George Hanson.
On y trouve des références à l'Égypte, à la Chine, à la Grèce ou à l'Italie. Mais l'un de ces monuments, appelé le Monument des Bergers, est le seul qui fait directement référence à un tableau particulier, les Bergers d'Arcadie du peintre français Nicolas Poussin. Juste en dessous de la sculpture, on peut y voir un code gravé dans le marbre il y a plus de deux siècles. Un des mystères les plus étranges et sûrement le plus intéressant de cette sculpture des bergers, ce sont les 10 lettres gravées en dessous du monument. Il y a un D, un peu plus bas que les autres, 8 lettres et un M de l'autre côté de l'inscription. Ces deux lettres isolées sont à l'origine du surnom que les spécialistes ont donné à cette énigme, le code DM. Ce qui est fascinant, c'est que l'on retrouve une référence à un code DM dans la littérature du Moyen-Âge, et notamment dans un ouvrage connu dans le monde entier, Les Centuries de Nostradamus. Dans le quatrain 866, on découvre le texte suivant. Quand l'écriture DM trouvée et qu'avantique à l'âme découverte, loi, roi et prince ulpiant éprouvé, pavillon roi né duc sous la couverte. Traduction. Quand le code DM sera décrypté, on découvrira un lieu souterrain très ancien, alors les lois, les rois et les princes seront sérieusement éprouvés. Depuis 250 ans, le code DM intéresse toutes sortes de curieux, mais aussi des spécialistes en cryptographie de renommée mondiale. Le monument des bergers a été étudié. On a lancé un défi à de nombreux experts en leur demandant « Pouvez-vous décoder le monument ?» Beaucoup d'entre eux se sont uniquement concentrés sur le déchiffrage des 10 lettres. Je pense que c'est une façon très limitée de regarder le monument. Il me semble qu'on doit prendre en compte l'image ainsi que les lettres et leur position. Les 8 lettres plus les 2 lettres, pourquoi ça? Pourquoi 8 et 2? Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger l'importance des autres monuments du parc. Très peu de personnes ont essayé de prendre en compte tous ces éléments. Essayons de décrypter le code DM. Pour ce faire, il nous faut plonger dans l'histoire de l'art. Et pour bien comprendre, nous devons quitter provisoirement Chuck-Borough et revenir à Paris pour étudier le tableau original qui se trouve gravé au-dessus du code DM. C'est ici, au musée du Louvre, qu'est conservé Les Bergers d'Arcadie, une toile peinte par Nicolas Poussin au XVIIe siècle. Ce tableau représente 3 bergers et une femme autour d'un tombeau perdu en pleine campagne. Un paysage de rêve censé représenter l'Arcadie, une sorte de paradis terrestre dans la mythologie grecque. Sur le tombeau, on peut lire l'inscription latine « Et in Arcadia ego », que l'on pourrait traduire par « Moi aussi, je suis en Arcadie ». Les adeptes du mystère nous font remarquer que « Et in Arcadia ego » est l'anagramme de « Itego Arcana Dei », dont la traduction nous donne « Je cache les secrets de Dieu ». En observant les mains des bergers, on s'aperçoit que leur posture n'est visiblement pas très naturelle. Essayez, par exemple, de reproduire cette position avec votre main. Vous constaterez très vite que ce n'est pas vraiment très confortable. Il est possible que nous soyons là en présence d'une forme de message caché, une sorte de double langage. Mais alors, quel message aurait pu faire passer Nicolas Poussin dans son tableau ? Une cage contenant un trésor paraît peu probable. Un secret lié à la religion? La piste semble plus séduisante, puisqu'on sait que ce tableau fut commandé en 1635 à Nicolas Poussin par un haut dignitaire de l'Église, un cardinal qui deviendra pape après avoir reçu les bergers d'Arcadie. Ce pape conserva d'ailleurs le tableau à Rome durant quelques années. Le roi de France s'intéressa lui aussi à Nicolas Poussin, et on a pu retrouver une correspondance pour le moins étrange entre un proche du roi de France et un ami fidèle de Nicolas Poussin. Voici d'ailleurs un extrait de cette lettre. Lui et moi, nous avons projeté de certaines choses dont je pourrais vous entretenir à fond dans peu de temps. Des choses qui vous donneront, grâce à M. Poussin, des avantages que les rois auraient grand-peine à tirer de lui et qu'après lui, peut-être, personne au monde ne redécouvrira dans les siècles à venir. Et ce, sans beaucoup de dépenses, et cela pourrait même tourner à votre profit. Et ce sont des choses si fortes à rechercher que quoi que ce soit sur la terre maintenant ne peut avoir une meilleure fortune et ne peut être égalé. Quel secret détenu par Nicolas Poussin pourrait donner à celui qui les détient un avantage si fantastique
que personne au monde ne le retrouvera dans les siècles à venir. Pour tenter de percer le mystère, nous nous sommes rendus à Rome. C'est dans cette ville que Nicolas Poussin a longtemps vécu parmi l'élite artistique et religieuse. C'est aussi là que le peintre fut inhumé en 1665 dans la petite église de San Lorenzo in Lucina. Une église édifiée sur les ruines d'un très ancien lieu de culte chrétien et qui recèle certaines curiosités, comme cette porte secrète dissimulant un trône qui servait exclusivement au pape lors de réunions en petit comité. C'est donc ici, dans cette église, que l'on peut découvrir un monument dédié à Nicolas Poussin. Au-dessous du buste représentant le peintre, on découvre une réplique gravée dans le marbre du fameux tableau « Les bergers d'Arcadie ». Parmi les 200 œuvres du peintre, c'est ce tableau qui a été choisi pour honorer la mémoire de Nicolas Poussin. Et c'est Chateaubriand, un célèbre romancier français qui fit construire en 1830 cette originale stèle funéraire. Sous la représentation des bergers d'Arcadie, on trouve encore une fois des lettres gravées dans le marbre. Ce texte en latin est une sorte d'hommage à Nicolas Poussin, mais il recèle à nouveau quelques curiosités. Retiens tes larmes pieuses dans cette tombe Poussin vit. Il avait donné la vie sans savoir lui-même mourir. Il se tait ici, mais si tu veux l'entendre parler, il est surprenant comme il vit et il parle dans ses tableaux. En clair, pour certains, si Poussin avait un secret, c'est dans ses tableaux que se trouve la solution. Ce qui semble certain, c'est que le tableau Les bergers d'Arcadie a réellement intéressé de très importants personnages depuis des siècles. Le roi de France Louis XIV l'avait jalousement gardé dans ses appartements privés à Versailles. Il gardera Les bergers d'Arcadie auprès de lui jusqu'à sa mort. Plus récemment, le président François Mitterrand avait fait ériger en 1989 un étonnant monument consacré aux droits de l'homme à Paris. Parmi une foule de symboles maçonniques, on trouve, gravé dans le bronze dès l'origine, Nicolas Poussin, les bergers d'Arcadie, et in Arcadia ego. Encore une référence à cet unique tableau qui intéressa les papes, les rois, les artistes, les grands écrivains et même le navigateur George Hanson à Shugborough Hall. Retour donc en Angleterre devant le monument des bergers. La réplique gravée dans le marbre n'est pas tout à fait conforme à l'œuvre originale du peintre Nicolas Poussin. Si l'on observe la gravure, on s'aperçoit qu'elle fut volontairement abîmée. À l'origine, on pouvait y voir le doigt d'un berger qui indiquait la lettre N, le pouce étant posé sur la lettre R. Ce n'est d'ailleurs pas la seule différence puisqu'on s'aperçoit que la reproduction sculptée a été inversée et qu'on y a rajouté une deuxième tombe de forme pyramidale sur le tombeau principal. À ce jour, il existe des dizaines d'hypothèses concernant l'interprétation du tableau et du code DM. Les théories les plus fascinantes et les plus sérieuses nous renvoient pour la plupart aux Templiers. D'après leurs auteurs, la gravure ferait figurer le tombeau du Christ, la bergère serait Marie-Madeleine et le berger à la barbe symboliserait un Templier. Différentes méthodes ont été utilisées pour décrypter le code. Certaines dévoilent des lettres cachées dans la gravure, d'autres, grâce à la position des mains, révéleraient aussi quelques précieuses lettres. Mais quelle que soit la méthode, si complexe soit-elle, leurs auteurs arrivent presque tous au même résultat. En commençant par le N, on obtiendrait le mot « Nova Scotia ». 10 lettres qui forment le nom latin d'une province canadienne appelée aujourd'hui Nouvelle-Écosse. Ce qui est frappant, c'est que l'un des mots figurant sur la gravure fait référence exactement à la même région du monde. En effet, si on soustrait le R de Arcadia comme nous l'indique le pouce du berger, on trouve le mot Acadia. Or, il se trouve que Acadia est tout simplement l'ancien nom français de la Nouvelle-Écosse au Canada, un endroit qui fut en plus fréquenté par le navigateur George Hanson. À l'époque de Nicolas Poussin, cette province s'appelait donc Acadia, et quand la famille Hanson fit construire le monument, le nom de cette même province était Nova Scotia. Y aurait-il des mystères liés aux Templiers, à leurs descendants ou à une société secrète sur la côte canadienne? Pour le savoir, il faut se rendre en Nouvelle-Écosse, sur les terres de l'ancienne Acadie française. Thank you.
Sur place, il est clair que l'on trouve de nombreuses traces du passage des Français dans cette région qui se nommait bien Acadie et qui était dirigée à l'époque de Nicolas Poussin par un certain Isaac de Razilly, grand chevalier de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre qui avait hérité des biens des Templiers. De nos jours, on peut encore trouver quelques rares descendants des Acadiens, les premiers colons français arrivés là en 1604. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui parle encore français et qui nous a éclairé sur certaines questions, et notamment sur l'origine du nom Acadie. On n'est pas certain de l'origine. Un explorateur verrazano, environ 1524, avait nommé la région autour de Philadelphie, Arcadie, après un paradis terrestre dans la mythologie grecque. Et il y a des gens qui pensent que peut-être d'autres gens qui copiaient ces cartes plus tard, ils ont monté la région un petit plus haut. Et non, mais cette région, Arcadie, puis là, plus tard, ils ont laissé tomber le R pour Acadie. On n'est pas certain, aucune façon de savoir 100%. Une autre théorie veut que le nom de Acadie vienne de la langue utilisée par les Indiens Micmac, un peuple qui vivait là bien avant l'arrivée des Français. Ces Indiens ont bien sûr des légendes, et l'une d'entre elles rapporte un contact avec des peuples à la peau blanche venus de l'océan. Eh bien, selon les Mi'kmaq, dans leur tradition orale, ils parlent des Blancs qui ont venu les visiter avant les Français. Et c'est possible qu'ils l'ont visité en Nouvelle-Écosse. Je pense que ce sera environ les 1400 ou à ce temps-là. Là, on n'a aucune preuve. Les archéologues n'ont rien trouvé. C'est dans la tradition orale. Mais c'est une possibilité qu'il y avait déjà eu des Européens qui ont visité en Amérique du Nord et au moins ici en Nouvelle-Écosse avant l'arrivée des Français. Il faut noter que dans l'art pictural des Indiens Micmac, on retrouve des symboles qui pourraient s'approcher d'une croix templière. Rouge sur fond blanc. Des légendes, mais pas de templiers et encore moins de trésors. Pourtant, il suffit de suivre la Gold River, la rivière d'or, pour trouver une histoire surprenante. Cette rivière, au nom qui fait rêver les chercheurs de trésors, se jette à Mahon Bay. Là-bas, on peut y découvrir des dizaines de petites îles. L'une d'entre elles, Oak Island, l'île aux chênes, cache un véritable mystère, encore non élucidé de nos jours. L'histoire débute en 1795. Daniel McGuinness, un homme de la région, va découvrir une petite clairière sur cette île à l'époque recouverte de chênes. Dans cette clairière, la trace d'une petite dépression laisse penser qu'on a rebouché un trou. Pour lui, pas de doute, il pourrait s'agir là d'un trésor enterré par des pirates. C'est donc accompagné de deux de ses amis qu'il reviendra sur place avec quelques outils. Danny Enigar vit à quelques kilomètres de Oak Island. Il est considéré comme l'un des spécialistes les plus sérieux de cette étonnante affaire. Ils ont commencé par creuser à l'endroit de cette petite dépression, là où ils pensaient trouver l'or des pirates. Après avoir creusé un demi-mètre de profondeur, leurs pelles sont tombées sur quelque chose de dur. À ce moment-là, ils pensaient bien sûr avoir découvert le trésor. Cependant, tout ce qu'ils ont découvert, c'est un puits de 4 mètres de diamètre. Un puits construit qui avait été apparemment comblé par des pierres. Ils ont dégagé ce qu'ils ont pu, et notamment la terre qui était mêlée à de petits cailloux, il y avait aussi des pierres plates. Et tout ça, bien sûr, en espérant trouver à tout moment le trésor. Mais ce que les trois jeunes hommes vont découvrir à 3 mètres de profondeur est pour le moins inhabituel. Ils vont mettre à jour une sorte de plateforme, composée de petites poutres de bois. Après avoir évacué la plateforme, ils continuèrent à creuser jusqu'à 9 mètres de profondeur et leur seule découverte fut une nouvelle plateforme de bois. À ce moment-là, ils avaient compris que cette entreprise les dépassait largement et ils ont donc décidé d'aller chercher de l'aide sur le continent. Malheureusement, personne n'est venu. Il faut savoir que les gens avaient peur d'Oak Island. Il y avait beaucoup de superstitions sur cette île. De plus, on est en 1795. La plupart d'entre eux n'avaient bien sûr pas beaucoup de temps consacré à la chasse au trésor. Ces trois jeunes hommes étaient considérés comme des fous à cette époque-là. Il faudra attendre près de 10 ans avant qu'en 1804, de nouvelles fouilles soient engagées. Et les surprises ne faisaient que commencer. Tous les 3 mètres, ils retrouvèrent des plateformes composées de poutres de bois, mais aussi des pierres sculptées en forme de cœur, des morceaux de charbon et des fibres de noix de coco. Arrivés à 28 mètres de profondeur, ils allaient faire une découverte essentielle.
L'histoire nous dit que le forage était alors plus facile. Apparemment, il n'y avait que peu de pierres à enlever et la terre était facile à creuser. Cette terre semblait avoir été utilisée pour remplir le trou. Mais à 28 mètres, ils ont trouvé une pierre que l'on a appelée plus tard la pierre d'alerte ou la pierre gravée. Quand ils ont retourné la pierre, ils ont trouvé des inscriptions gravées sur le dessus que personne n'était en mesure d'interpréter. Le langage utilisé était inconnu à tous les gens de l'époque. Ils ont donc poussé cette pierre de côté et ils ont continué à creuser. Mais au fil des heures, les ouvriers s'aperçurent qu'il y avait de plus en plus d'eau qui inondait le puits. Une eau qui allait devenir un problème majeur dans la recherche du fameux trésor. Le lendemain, lorsqu'ils sont revenus pour finir le forage, ils ont découvert qu'il y avait 18 mètres d'eau qui avait rempli le conduit. Ils ont essayé d'écoper cette eau, mais sans succès. À cette époque, bien sûr, il n'y avait pas de pompe. Ils ont donc perdu tout espoir de retrouver quoi que ce soit et ils sont partis d'Oak Island. Durant près de 40 ans, ce puits de 30 mètres de profondeur resta inondé et la fameuse pierre qui contenait probablement un message essentiel disparut totalement de la circulation. Mais à partir de la fin du 19e siècle, des dizaines de chercheurs accompagnés de moyens techniques et financiers phénoménaux viendront tenter leur chance sur Oak Island pour trouver le fameux trésor. Parmi eux, un certain Franklin Roosevelt, le futur président des États-Unis, est venu creuser sur l'île et s'est intéressé aux recherches jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui encore, personne à ce jour n'a pu mettre la main sur le mystérieux trésor de Oak Island. Et pour cause. Le système imaginé par les concepteurs de cette cache est incroyablement ingénieux. Un des plus grands problèmes que nous avons pour résoudre le mystère et atteindre le trésor de Oak Island, c'est l'eau qui apparaît constamment dans le conduit. Au début, les gens pensaient que c'était un phénomène naturel dû à la profondeur, jusqu'au moment où ils se sont aperçus que cette eau était salée et que le niveau de l'eau montait et descendait avec la marée. Il était donc clair qu'il y avait une connexion entre le puits où ils creusaient et l'océan. Ils sont donc allés à l'endroit le plus logique, sur une plage située à 150 mètres du puits, dans la baie de Smith's Cove. Et en marchant sur cette plage, ils se sont rendus compte, à marée descendante, que l'eau semblait être absorbée par la plage comme une éponge géante. Et ça leur semblait bizarre, puisque aucune plage au monde n'absorbe l'eau comme ça. Ils se sont donc mis à creuser sur une profondeur d'1,50 m et sur une longueur de 50 mètres, pour finalement découvrir, enterrés en dessous de plusieurs couches de sable, de gravier et de pierre, des fibres de noix de coco en très grande quantité. Cette plage artificielle cachait en fait un réseau de canaux qui aboutissaient tous à une sorte de tunnel d'inondation directement relié au puits principal. Une construction titanesque qui a probablement nécessité des mois de travail et des dizaines d'ouvriers. Il est certain que beaucoup de gens sont persuadés que cette structure a été artificiellement construite par ceux qui ont déposé le trésor, dans le but de sécuriser la cache. Si vous ne connaissez pas le moyen d'atteindre le trésor, vous êtes stoppé par l'océan. Et ça a marché de manière exceptionnelle. En fait, on pense qu'il n'y a pas qu'un seul tunnel, et certains experts affirment même qu'il y aurait en fait deux tunnels de ce type. Une plage artificielle, des tunnels d'irrigation, un puits d'une profondeur d'au moins 48 mètres, et tout ça sans quasiment laisser aucune trace de travaux, ni même d'occupation humaine sur l'île. Qui aurait pu imaginer construire un système aussi ingénieux? Et pour y cacher quoi? Probablement quelque chose de très important. Il est à noter que peu d'objets ont été découverts sur place. On a tout de même retrouvé un minuscule morceau de parchemin à une profondeur de 43 mètres. Ce morceau de parchemin existe encore aujourd'hui et il a été étudié par des experts à l'université de Harvard. Ils ont déclaré que cette pièce était un parchemin fait de peau de mouton et écrit en utilisant une encre indienne à l'aide d'une plume. D'autres objets ont été découverts sur l'île, tels qu'une paire de ciseaux de type espagnol en dessous de la plage de Smith's Cove. On a trouvé une pierre sculptée en forme de cœur qui a été découverte au même endroit. Et durant des forages assez profonds qui ont été réalisés sur l'île de Oak Island, à la fin des années 60, au début des années 70, on a découvert des morceaux de chêne et des fils métalliques qui étaient si vieux qu'au moment où ils ont été exposés à l'air libre, ils se sont oxydés immédiatement et se sont littéralement désintégrés. Quelques expertises et tentatives de datation ont bien été réalisées sur des fragments de bois et sur les quelques objets retrouvés sur l'île. Mais les résultats restent flous et ne font qu'amplifier le mystère, puisque les estimations vont de 1420 à 1750.
Pire encore, les fibres de noix de coco ont elles aussi été analysées par un laboratoire canadien dans les années 70. Et le résultat a de quoi surprendre. Il y a beaucoup d'analyses qu'on peut remettre en doute à propos de Oak Island, mais il y a une chose que personne ne peut expliquer. Ce sont les fibres de noix de coco qui furent découvertes et que l'on peut encore trouver sur l'île si on sait où chercher. Quelques fibres ont été analysées et elles ont été datées du 7e ou du 6e siècle. Je ne pourrais pas vous dire quelle est la précision exacte de ces analyses, mais ce sont des informations que nous avons et sur lesquelles nous travaillons. Une chose est certaine, jamais on n'a vu pousser de cocotiers en Nouvelle-Écosse. Alors, quelle est la civilisation qui aurait pu construire une cache aussi extraordinaire, un système aussi complexe, sans aucun équivalent dans le monde? Ce qui semble clair, c'est que le groupe d'hommes qui a construit ce système devait avoir une grande connaissance dans la maîtrise de l'eau, mais aussi une discipline quasi militaire et surtout un culte du secret qui dépasse l'entendement. Puisque sans les fouilles entreprises par hasard sur l'île, jamais personne n'aurait entendu parler du fabuleux trésor de Oak Island. D'après tous ces critères, il semble logique à certains que les Templiers ou leurs héritiers aient pu être les constructeurs de cette cache hors norme. Pour moi, la théorie la plus intéressante est celle centrée autour des Templiers, bien que ces théories ne tiennent pas à grand-chose. Surtout quand on sait que l'Amérique fut découverte par Christophe Colomb près de 200 ans après la fin des Templiers. On pourra tout de même relever que les Templiers possédaient une flotte importante, de bonnes connaissances en navigation, mais aussi excellaient dans l'art de la construction et dans la maîtrise de l'hydraulique. Ils étaient également reconnus pour leur discipline militaire et leur sens du secret quasi monacal. Des clients parfaits pour les défenseurs de cette théorie, qui précisent que par la suite, ce seraient les représentants de l'ordre de Malte, puis les francs-maçons qui auraient été les gardiens discrets du secret de Oak Island. Il est vrai que la présence de hauts représentants de l'ordre de Malte est bien attestée au XVIIe siècle sur ces terres. Et il faut noter que l'une des plus anciennes loges maçonniques d'Amérique a été créée ici, en Nouvelle-Écosse, en 1738. Les adeptes de la théorie des Templiers sur Oak Island se basent aussi sur une récente découverte. Oui, il y a quelque chose qui a été découvert et qui a bien sûr enflammé les esprits chez les défenseurs de la théorie des Templiers. Parmi les nombreux objets découverts, on a trouvé sur Oak Island une pierre avec la lettre G gravée dessus. Maintenant, si vous recherchez des informations sur la franc-maçonnerie, vous pourrez vous apercevoir que la lettre G est un symbole qu'ils utilisent dans l'allégorie. Et les Templiers peuvent être aussi connectés à la franc-maçonnerie. Donc certaines personnes, en mettant ces faits ensemble, ont élaboré une théorie très intéressante liant les Templiers, la franc-maçonnerie, une sorte de conspiration qui expliquerait pourquoi le trésor aurait été apporté ici à Oak Island. Aujourd'hui, l'île de Oak Island est totalement privée et son accès est interdit. De nouvelles fouilles sont en cours. Mais beaucoup pensent qu'on ne trouvera rien dans ce puits, pour une simple et bonne raison. C'est qu'il est possible que le trésor, ou pour certains le tombeau mystique, ait été déplacé au 17e ou au 18e siècle. Et pourquoi pas par Lord Hanson, le propriétaire de Shugborough. Le mystère n'est donc pas près de s'éteindre. Et si ces voyages à travers le monde et les légendes autour des Templiers ne nous ont pas permis de mettre la main sur un trésor ou un secret fabuleux, il faut noter que le seul et unique véritable trésor templier a été trouvé en France, à Pin, sur les lieux mêmes où est né le premier maître de l'ordre, Hugues de Pin. Une découverte surprenante qui est arrivée en 1998 à Bernard de la Cour, un habitant du village qui a mis la main sur un véritable pactole. 700 pièces de monnaie en argent datant de l'époque des Templiers, d'une valeur historique inestimable. La découverte a été très très importante. C'était quelque chose que déjà qu'on ne peut pas expliquer, parce qu'une découverte comme ça, j'étais loin de penser qu'un jour ça m'arriverait. Déjà, premièrement, les monnaies étaient agglutinées ensemble, étaient collées, ça faisait des paquets de monnaies, et je ne pouvais pas savoir la quantité qu'il y avait exactement au départ. Mais quand même, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très très important. Une découverte importante et bien réelle, mais qui est loin du mythe nous décrivant des richesses fabuleuses, des documents secrets ou un tombeau caché. Il existe, comme nous l'avons vu, de véritables ennemis historiques et des zones d'ombre autour des Templiers. Mais la seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que les Templiers restent, 700 ans après leur disparition, une source d'inspiration intarissable que l'on retrouve dans les romans, les films ou les bandes dessinées. Tous entretiennent le mystère et contribuent à enrichir le mythe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les Templiers sont encore parmi nous. Quand on commence à creuser un peu dans le sens des légendes,
On peut se poser énormément de questions et des fois il est tentant de répondre par des suppositions mythiques, légendaires, parce que l'homme a besoin d'imaginaire, quoi, tout simplement. L'être humain a besoin d'enchanter le monde. Et donc, on crée tout le temps des contes, des légendes, des mythes. Alors, il y a des contes pour enfants et il y a des contes pour adultes. Et le mythe templier, c'est un conte pour adultes. Tout ça, c'est de la légende. Mais la légende ne repose jamais sur rien. Les mythes, les légendes ont leur intérêt, surtout lorsqu'elles sont à décrypter, lorsqu'elles ont été conçues pour cela. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine.